This afternoon with program 12 of Ensemble, our combined radio and television course for beginners in French. Here now are Catherine Graham and Yves Loisel with Ensemble, program 12. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Bonjour mesdemoiselles. Voici Ensemble. Programme numéro 12. This week, we reached the halfway stage of Ensemble, and so today's program, like program 6, is given over entirely to revision. And in the book, instead of the usual language notes, you'll find a summary of all the language covered so far. So, what should you now be able to say that you couldn't say when we did program 6? You can say what you'd like to do by using je voudrais. Écoutez. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je voudrais voir Madame Delarue, s'il vous plaît. Oui, madame. Avez-vous un rendez-vous, madame? Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais parler à Monsieur Legrand, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais téléphoner à Paris, s'il vous plaît. Oh, oui, monsieur. You can say what you enjoy doing, or not, as the case may be, by using j'aime and je n'aime pas. Qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas faire à la maison, madame? Je n'aime pas beaucoup faire la vaisselle. Je n'aime pas non plus beaucoup faire les lits. You can ask how to get to places by using pour aller à. And I hope you understand what people answer. Otherwise, you might arrive somewhere else. Pardon, madame. Pour aller à l'hôtel central, s'il vous plaît. Alors, vous sortez du passage, vous traversez la place d'Arcy, vous descendez la rue de la Liberté, et au feu rouge, vous tournez à droite. And you can talk about things you like doing too, and state your preferences. J'aime beaucoup la musique classique, mais je préfère écouter et jouer la musique de jazz. When you know what you want to do, you can ask if you can, and where, and when, by saying, est-ce qu'on peut? Pardon, monsieur, où est-ce qu'on peut téléphoner dans le quartier, s'il vous plaît? On peut téléphoner à la poste. Pardon, monsieur. Quand est-ce qu'on peut visiter le musée, s'il vous plaît? On peut visiter le musée tous les jours de la semaine, sauf le mardi. And you can take the initiative and say you're going to do things with je vais. Or you're thinking of doing something by saying je pense. Qu'est-ce que vous allez faire à Noël, monsieur? À Noël, je pense prendre quelques jours de vacances. Où ça? Je vais passer quelques jours à Paris, puis quelques jours en montagne avec ma famille. And you should be able to cope with the time of day. Pardon, monsieur. Le train de Lyon arrive à quelle heure, s'il vous plaît? Le prochain train arrive à 11h08. Now, let's try to put it all together, and you join in. Imagine you've just arrived in France with a load of samples of something to sell. Cans of English fog, say, or garden gnomes. So you go around to the biggest shop in Dijon, and of course you'd like to talk to the manager, le directeur. Remember the two words? Voir, to see, and parler, to speak. You start off at the reception desk. Now play it by ear. Bonjour, vous désirez? You'd like to see the manager, please. Je voudrais voir le directeur, s'il vous plaît. Vous avez un rendez-vous? No, you haven't got an appointment. Non, je n'ai pas de rendez-vous. Un instant, s'il vous plaît. Je vais téléphoner à sa secrétaire. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Pretend you're me and say who you are. C'est de la part de Monsieur Loisel. Allô? Monsieur Loisel.
voudrais parler au directeur. Oui? Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Loisel, voulez-vous parler à la secrétaire du directeur? Say yes, thank you. Oui, merci. Voilà. Allô, Monsieur Loisel? Say good morning. You'd like to talk to the manager, please. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais parler au directeur, s'il vous plaît. Oh, je suis désolée. Le directeur n'est pas là. Voulez-vous un rendez-vous? Ask if it's possible tomorrow. C'est possible demain? Demain? Oui, à 10h30. Ça va? Yes, that's fine. Oui, ça va. Alors, à demain, Monsieur Loisel. Say thank you and goodbye. Merci. Au revoir, mademoiselle. Now, let's go back to Annick Magnier and Jean Maisonave in Dijon. This week, the theme is the facts of life. Well, some of them. You'll hear three people talking about their everyday lives. What they do for a living, what sort of accommodation they live in, what they've got in the way of household gadgets, whether they like Dijon, and so on. The first thing to find out is what people do. Que faites-vous? Say it. Que faites-vous? Or, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? But that's a bit bold, and in any case, it isn't quite enough. Que faites-vous and qu'est-ce que vous faites can also mean what are you doing right now? So the answer could be something like, I'm cutting my big toenail. If you want to know what people do for a living, ask them what they do in life. Dans la vie. Repeat again. Que faites-vous dans la vie? Or, qu'est-ce que vous faites dans la vie? And if you don't want to seem too nosy, you can always add, if it isn't indiscreet. Si ce n'est pas indiscret. Listen to the first of the three interviews. Jean is talking to a young married woman, only he didn't know she was married. The text is on page 132. Pardon, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, si ce n'est pas indiscret? Je suis étudiante en documentation. She is a student. Elle est étudiante. Elle est étudiante en documentation. She is studying librarianship. Now her family. Elle est mariée? Oui. Est-ce qu'elle a des enfants? No, because she is much freer without children. Elle est beaucoup plus libre sans enfants. Vous êtes mariée? Oui. Et vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants, car je suis beaucoup plus libre sans enfants. Now the home. The general word for the rooms in a house or flat is pièce. Les pièces. Try repeating the following. Kitchen. La cuisine. La cuisine. Bathroom. La salle de bain. La salle de bain. Bedroom. La chambre. La chambre. And living room, la salle de séjour. Est-ce que vous habitez une maison ou un appartement? J'habite un appartement dans une très vieille maison. Et qu'est-ce que vous avez comme pièce? J'ai deux pièces, une chambre et une cuisine. What does she have in the way of household appliances?
des appareils ménagers. Lots of the words are almost the same as in English. For example, le téléphone and la télévision. And le frigidaire. Then there is le mixeur. Same spelling, different pronunciation. Le mixeur. And la machine à laver. Washing machine. La machine à laver. And le couteau électrique. An electric carving knife. So what's this girl got? Un frigidaire. Un couteau électrique. Un mixeur. Sounds like she's still living on wedding presents. What about a television? La télévision, non. Elle préfère lire. Any pets? Des animaux domestiques, non. But there's one exception. Écoutez. Est-ce que vous avez des appareils ménagers? J'ai quelques appareils ménagers. Par exemple, un frigidaire, un couteau électrique et un mixeur. Est-ce que vous avez la télévision? Non, je n'ai pas la télévision car je préfère lire le soir. Et le téléphone? Non, je n'ai pas le téléphone. Est-ce que vous avez des animaux domestiques? Non, je n'ai pas d'animaux domestiques, sauf mon mari. Now, what does she feel about living in Dijon, generally speaking? D'une façon générale. D'une façon générale, comment est-ce qu'elle trouve la vie à Dijon? The climate's cold, so the town's a bit grey. But she likes Dijon, because there are lots of cinemas and there is plenty going on culturally. Elle aime Dijon parce qu'il y a beaucoup de cinéma et beaucoup d'activités culturelles. It's near Paris, it's a charming town, and it isn't far from the country. Écoutez. Et d'une façon générale, comment trouvez-vous la vie à Dijon? Dijon est triste car le climat est froid, mais j'aime Dijon car il y a beaucoup de cinéma et d'activités culturelles. Dijon est près de Paris, c'est une petite ville charmante et pas très loin de la campagne. It's quite a long conversation, so listen to it right through, without interruptions. Pardon, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites dans la vie, si ce n'est pas indiscret? Je suis étudiante en documentation. Vous êtes mariée? Oui. Et vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants, car je suis beaucoup plus libre sans enfants. Est-ce que vous habitez une maison ou un appartement? J'habite un appartement dans une très vieille maison. Et qu'est-ce que vous avez comme pièce? J'ai deux pièces, une chambre et une cuisine. Est-ce que vous avez des appareils ménagers? J'ai quelques appareils ménagers, par exemple un frigidaire, un couteau électrique et un mixeur. Est-ce que vous avez la télévision? Non, je n'ai pas la télévision car je préfère lire le soir. Et le téléphone? Non, je n'ai pas le téléphone. Est-ce que vous avez des animaux domestiques? Non, je n'ai pas d'animaux domestiques, sauf mon mari. Et d'une façon générale, comment trouvez-vous la vie à Dijon? Dijon est triste car le climat est froid, mais j'aime Dijon car il y a beaucoup de cinéma et d'activités culturelles. Dijon est près de Paris, c'est une petite ville charmante et pas très loin de la campagne. Merci bien. Au revoir, monsieur. The student Jean talked to sounded as if she led a pretty simple life. A tiny flat, no television, no telephone, no children, no pets. By contrast, Annick found a woman who has far more in the way of goods and ties. To start with, a shop. Elle est commerçante. Elle est commerçante. She's a shopkeeper. And she's got a house and two children. Pardon, madame, vous êtes de Dijon? Je suis de Dijon. Et si ce n'est pas indiscret, que faites-vous dans la vie? Je suis commerçante. Oui? Et vous êtes mariée? Je suis mariée. Vous avez des enfants? J'ai deux enfants. J'habite une maison particulière avec un petit jardin. Elle n'habite pas un appartement. Elle habite une maison. An individual house, or a detached house, if you prefer. Une maison particulière. With a garden. Une maison particulière avec un jardin. Il y a combien de pièces? A kitchen, a bathroom, a living room and three bedrooms. Écoutez. Quelles pièces? J'ai une cuisine, j'ai une salle de bain, un séjour et trois chambres. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Téléphone, télévision.
Mixeur, aspirateur, that's a vacuum cleaner. Un aspirateur. Mixeur et aspirateur. Couteau électrique? Non, pas de couteau électrique. Écoutez. Oui, vous avez le téléphone chez vous? J'ai le téléphone. Et la télévision? La télévision. Un couteau électrique? Non. Un mixeur? Un mixeur également. Oui. Un aspirateur? Un aspirateur. What about pets? Les animaux domestiques. Elle a deux chiens. One is a cocker spaniel, un cocker. Il est noir. He's pretty venerable too. Il a 12 ans. And she has a small dachshund, un petit teckel. Le teckel a 2 ans. Il est âgé de 2 ans. Écoutez. Vous avez des animaux domestiques? J'ai deux chiens. Quelle sorte de chien? J'ai un cocker noir, âgé de 12 ans, et un petit teckel âgé de 2 ans. Now, what are her views on life in Dijon? She seems to like it. It's an old town. La ville est ancienne. It's a very beautiful town. La ville est très belle. All in all, it's a very pleasant place. La ville est très agréable. And the countryside is nearby. La campagne est très proche. Écoutez. Comment trouvez-vous la vie à Dijon? La ville est très belle, elle est ancienne, elle est très agréable, et la campagne est très proche. Now listen to that woman straight through, this time without interruptions. Pardon madame, vous êtes de Dijon? Je suis de Dijon. Et si ce n'est pas indiscret, que faites-vous dans la vie? Je suis commerçante. Oui? Et vous êtes mariée? Je suis mariée. Vous avez des enfants? J'ai deux enfants. J'habite une maison particulière avec un petit jardin. Quelle pièce? J'ai une cuisine, j'ai une salle de bain, un séjour et 3 chambres. Oui? Vous avez le téléphone chez vous? J'ai le téléphone. Et la télévision? La télévision. Un couteau électrique? Non. Un mixeur? Un mixeur également. Oui. Un aspirateur? Un aspirateur. Vous avez des animaux domestiques? J'ai deux chiens. Quelle sorte de chien? J'ai un cocker noir, âgé de 12 ans, et un petit teckel âgé de 2 ans. Oui, merci. Comment trouvez-vous la vie à Dijon? La ville est très belle, elle est ancienne, elle est très agréable, et la campagne est très proche. Eh bien, merci beaucoup, madame. Now for a complete change. Let's try telling the time in French. Quelle heure est-il? Well, you tell us what the time is. We'll use the 12-hour clock. So here is the first one. Quelle heure est-il? Il est 2 heures. Next one. Quelle heure est-il? Il est 5 heures. And another. Quelle heure est-il? Il est 8 heures. Now the third and last of the interviews about the French and their everyday lives. It's on page 134 of your book. Actually, this man isn't French at all. Il est belge. Il est de Bruxelles. Il est bruxellois. He's in Dijon as manager of a firm. Il est directeur d'une firme à Dijon. Il est marié et il a un enfant. Un petit garçon. Écoutez. Pardon, monsieur, vous êtes de Dijon? Non, je ne suis pas de Dijon. Je suis bruxellois. Ah, vous êtes de Bruxelles? C'est ça. Je suis belge. Oui. Et si ce n'est pas indiscret, que faites-vous dans la vie? Je suis directeur d'une firme. Vous êtes marié, célibataire? Non, marié. Vous êtes marié. Vous avez des enfants? Un petit garçon. Where does he live? A flat or a house? Il a 2 appartements. Un appartement à Bruxelles et un appartement à Dijon. What does he have in Dijon? Un F3. That's the official way of describing a flat with 3 rooms apart from the bathroom. In this case, une chambre, une salle de séjour et la cuisine.
Et vous habitez un appartement ou une maison? Un appartement ici à Dijon. Et un appartement à Bruxelles également. Et par exemple à Dijon, vous avez quelle pièce dans votre appartement? C'est un F3, c'est-à-dire trois pièces habitables, une salle de séjour et une chambre et une cuisine. A small flat, but that doesn't matter so much if it's well equipped. Il a le téléphone. Et il a la télévision. In fact, he's a great television fan. C'est un grand adepte de la télévision. Does he have a washing machine? Une machine à laver? Oui, mais pas de machine à laver la vaisselle. No dishwasher. Mais il a un frigidaire, et un aspirateur, et un mixeur. Écoutez. Vous avez le téléphone chez vous? Oui, j'ai le téléphone. Et la télévision? Et la télévision également. Oui? Je suis un grand adepte de la télévision. Qu'est-ce que vous avez comme appareil ménager chez vous? Machine à laver, télévision, machine à laver la vaisselle, non. Non. Frigidaire? Frigidaire. Aspirateur? Aspirateur, oui. Mixeur? Mixeur, oui. What about pets? Il n'a pas d'animaux domestiques. Pourquoi pas? Animals aren't happy in a flat. Could you say that? The word for happy is heureux. Les animaux ne sont pas heureux dans un appartement. Vous avez des animaux domestiques? Non, je n'ai pas d'animaux parce que les animaux ne sont pas heureux dans un appartement. To end up with, what does he think about life in Dijon? Very pleasant. It's a town with a lot of attractions for visitors. C'est une ville très touristique. Écoutons. Comment trouvez-vous la vie à Dijon? Très agréable. C'est une ville très touristique. Bon, eh bien, merci beaucoup, monsieur. Mais de rien, madame. Now, you try answering similar questions about yourself. Listen first to the identity we've invented for you, then answer the questions afterwards. And, gentlemen, please forgive us. You're going to be women for the next few minutes. Here are your details. Vous êtes de Lyon et vous êtes secrétaire. Vous habitez un appartement avec votre mari, mais vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas beaucoup d'appareils ménagers, un frigidaire et un aspirateur seulement. Vous avez la télévision, mais pas le téléphone. Listen again. Vous êtes de Lyon et vous êtes secrétaire. Vous habitez un appartement avec votre mari, mais vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas beaucoup d'appareils ménagers, un frigidaire et un aspirateur seulement. Vous avez la télévision, mais pas le téléphone. Now imagine you're being interviewed and answer the questions. Pardon, madame, vous êtes de Dijon? Non, je suis de Lyon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, si ce n'est pas indiscret? Je suis secrétaire. Vous êtes marié, célibataire? Je suis mariée. Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Vous avez le téléphone chez vous? Non, je n'ai pas le téléphone. Qu'est-ce que vous avez comme appareil ménager? J'ai un frigidaire et un aspirateur.
Now listen to the whole conversation between Annick and the man from Brussels. Pardon, monsieur, vous êtes de Dijon? Non, je ne suis pas de Dijon. Je suis bruxellois. Ah, vous êtes de Bruxelles? C'est ça. Je suis belge. Oui. Et si ce n'est pas indiscret, que faites-vous dans la vie? Je suis directeur d'une firme. Vous êtes marié, célibataire? Non, marié. Vous êtes marié. Vous avez des enfants? Un petit garçon. Oui. Et vous habitez un appartement ou une maison? Un appartement ici à Dijon. Et un appartement à Bruxelles également. Et par exemple à Dijon, vous avez quelle pièce dans votre appartement? C'est un F3, c'est-à-dire trois pièces habitables, une salle de séjour et une chambre et une cuisine. Oui. Vous avez le téléphone chez vous? Oui, j'ai le téléphone. Et la télévision? Et la télévision également. Oui. Je suis un grand adepte de la télévision. Qu'est-ce que vous avez comme appareil ménager chez vous? Machine à laver, télévision, machine à laver la vaisselle, non. Non. Frigidaire? Frigidaire. Aspirateur? Aspirateur, oui. Mixeur? Mixeur, oui. Vous avez des animaux domestiques? Non, je n'ai pas d'animaux parce que les animaux ne sont pas heureux dans un appartement. Comment trouvez-vous la vie à Dijon? Très agréable. C'est une ville très touristique. Bon, eh bien, merci beaucoup, monsieur. Mais de rien, madame. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. For program 13, you'll need the ensemble book 2. Listen after the program for details if you haven't got it yet. In the meantime, in the last chapter of book 1, you'll find the second of the try your skill tests. If you do it and check your answers, you'll be able to find out what you need to revise. In program 13, we're going to tell you how to put your foot down and say that things have to be done. And say that people, other people that is, have to do them. So listen to Ensemble and learn to lighten your workload. Au revoir. Au revoir. Program 12 of Ensemble was presented by Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross of the University of Essex, and the producer is Alan Wilding.